Ce mercredi 31 janvier 2024, et sous plateforme Louvre No Lyon Air, ici là dans le centre culturel Caraïbe, nous ensemble avec Réal, les mêmes qui c'est Youn Moon qui lui-même a réalisé Amazing Grace qui a fait dans El Rancho, jour 3 février. Réal, comment est-ce? Nous là, et comme tout bagage, bon, comme vous êtes présent dans la conférence de presse, nous présents là aujourd'hui, c'est pour nous partager et spectacle ça avec la presse, parler, écrit et télévisé et internet tout, pour être capable de connaître qui objectif, qui vision Amazing Grace. Ok, apparemment, Guillaume et que je connais, moi connais aujourd'hui, c'est que nous créons une ligue, nous capable de dire que les HMI Connect. Et non, alors, sorry, c'est pas en ligue ça, alors, c'est HMI Connect, c'est en production tout. Ouais. C'est une production qui gagne Joselo, qui est comme gérant et PDGA, même c'est Real Production, mais c'est tout un mariage côté que HMI Connect avec Real Production qui lance le HMI là, mais nous, c'est nécessaire pour nous pourtant. On bagaille comme ça, on s'en offre comme ça dans l'événement, dans le secteur évangélique. Là. Et nous venons jouer avec support David qui, avec l'Unison, qui peut embarquer le projet ça à artistes évangéliques pour devenir. Alors, Dakar dit que l'aspect technique, là, nous renforçons, mais coordination pour artistes évangéliques, David est une dans pour concerter pour y se faire ça. Définitivement, et je pense que le secteur évangélique là, c'était besoin d'un bagage comme ça parce que nous, ouais, malgré petit problème qui est dans HMI, mais HMI a toujours profité de gros et de belles scènes. Et est-ce que c'était facile pour nous de faire mariage ça entre HMI avec le secteur évangélique là pour nous être capable d'accoucher Amazing Grace? Pas difficile parce que l'objectif c'est mise en contexte, expliquer raison, bien fonder un projet pareil. C'est nous te comprendre et avancer dans le bagage. Merci un peu. Merci. Merci. All right. Rendez-vous, c'est pour samedi 3 février à El Rancho Convention Center. C'était avec Louvre No Lyon.